Salut à tous! Salut à tous! Bon bah regardez un peu cette image. Dans cette vidéo, c'est Mendoza. La province de Mendoza, on est passé dans un petit village, vous allez voir. Bah, c'est le village où on s'est arrêté dans la vidéo d'avant. Avec le burracho. Et on demande à la police s'il y a moyen de recharger l'eau chez eux. Ils nous disent ouais, pas de problème. Sauf qu'en fait, il n'y a pas l'eau courante dans le village. Bah, vous verrez ça. Voilà, ouais. Vous verrez comment on a quand même rechargé l'eau. Vous verrez aussi des contrôles sanitaires qui sont faits sur la route à cause de la mouche des fruits. Je sais pas ce qu'elle fait cette mouche, mais apparemment c'est un vrai problème ici. Je sais pas si vous nous entendez en vrai. Je sais pas s'ils entendent, mais c'est pas grave, on la refera sinon. On va vous laisser là-dessus. Et puis nous, on va continuer, on est aux sources d'eau chaude. L'eau qui coule, elle est bouillante et elle c'est super agréable. 39. Super, mais ça sera dans une prochaine vidéo, on pourra tout vous montrer. Hein. Allez, on vous montre un peu le panorama. Ciao, ciao! Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. À Bermejo, je sais pas si on va entendre avec le vent là. Et là ça fait un petit peu Maroc ici. Là, c'est qu'on n'est plus à Mortero, en terre, en paille, en terre. C'est un peu au Maroc. Là, les baraques même pas fini de construire. Plus long, on fait une petite balade dans la ville. C'est sec là. Ouais, il n'y a pas d'eau ici, c'est sec. Sec, sec, sec. Et là, il commence à faire chaud. Et avant-hier, il faisait 50 degrés à 20h le soir. Et là, il est quelle heure là? À peine 11h. Ouais, je sais pas. Et il fait déjà super chaud. Regardez les constructions. Ils ont mis un chalet sur la baraque. Ah, la petite piscine couverte. Et là, ils sont en train de construire une église. Et apparemment, il y a... Alors, je sais pas où aller l'autre église. Il y a 50 000 personnes. Oh, bah regardez. Un petit marché. 50 000 personnes qui viennent, je sais plus, au mois d'avril, je crois, ici. Pèlerinage encore. Oh, bah dis donc, regarde le petit patelin, il y a des petits... Ah, il y a une belle sauterelle volante. Doucement Alex, doucement. C'est ça qui bouffe toutes les cultures. Voilà le projet futur. Et en fait, c'est là. Tous les ans, à certaines dates, il y a énormément de personnes. Voilà. Ouais. Armature métallique avec du bois. Bon bah du coup, on était là-bas hier soir et on s'est déplacé. Là, il y a un petit commissariat là, il nous a dit venez plutôt ici parce que il y a pas mal de mecs bourrés ici. Et vous serez plus sécurisé, pas pour les emmerdes, mais casser des carreaux, des trucs à la con. Du coup, on a dormi là, avec les gendarmes, là. Ils sont super sympas. Et en plus, ils nous ont filé la clé du Wi-Fi, donc on a pu se connecter, charger des cartes et tout, sur le GPS, tout ça, donc c'est vraiment cool. Et là, il y a un camion qui vient, et il va nous recharger en eau. En fait, ils n'ont pas d'eau potable ici. Et...
ils font venir l'eau d'un autre village, alors je pense à 40 km, et il y a un camion qui vient recharger les tanks des maisons pour l'eau potable. Et il l'a appelé, il nous a dit qu'il venait là. Donc j'ai tout préparé, les filtres et tout, on verra si on peut passer par nos filtres. Et on va refaire le plein d'eau ici. Là, j'ai l'impression que la police de Saint-Rouen est vraiment cool. Et là, leur petit commissariat avec la Sado toujours. Ils ont la partie cuisine, une partie couchage, avec le four et tout. Et en fait, ils ont le poste de radio posé sur la table où ils mangent. Et voilà quoi, il n'y a rien quoi, c'est vraiment une petite baraque. Quoi. Et deux motos quoi, même pas une bagnole, juste deux motos. Donc allez, on attend le camion et on fait le plein d'eau. Bon voilà, le camion il arrive. Bon en fait, le camion avec la pompe, il est parti rechercher de l'eau potable dans la ville, je sais pas où là, 40 bornes. Et là il y a un camion mais qui a pas de pompe, juste par... Gravité. Gravité. Alors s'il est plein, ça va aller. Pour monter là-haut. Pourquoi il n'utilise pas la pompe vide cave? On l'avait où dans le camion? Bah ouais. S'ils ont un trou d'homme. Non, il y a la, ah, y a bombe, c'est pas un camion. Hein? La bombe, le camion. Non, mais attends, c'est le camion. T'es? Fais ta couleur. Bon, voilà, Marie a eu la bonne idée. C'est vrai que cette pompe, on s'en sert jamais. Donc on a mis la pompe vide-cave dans le camion. Et puis, elle est alimentée par les panneaux solaires. Marie, très bonne idée. Voilà, la petite prise là. Et là, en fait, ils vont chercher l'eau potable. La pompe, elle est là. Viennent de quel pueblo, là, Agua? De Caucete. Quanto kilomètre? 85. 85 kilomètres? Tous les dias? Les dias, hein. Ils font 85 km pour ramener de l'eau potable ici dans la ville, tous les jours. Quanto pour dire? Lundi, mercredi et viernes. Ah, lundi, mercredi et vendredi. Ils ramènent l'eau dans la ville ici, parce qu'ici, il n'y a pas d'eau. C'est sec, sec, sec. Super sympa. Impeccable. En plus, on passe... Bon, alors c'est de l'eau potable, hein. Mais du coup, on passe par nos filtres. Et là, ça remplit. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont offert, les policiers et les habitants? Parce que tous les habitants d'ici étaient contents qu'on soit là. Et ils nous ont fait un cadeau. C'est 100 expédito. Apparemment, c'est le saint des urgences. Des urgences. Donc maintenant, on va carburer avec le camion urgence. Donc on a notre petit saint. Ça et ça. Des choses urgentes. Le saint, c'est le saint des d'ici, choses en fait. Urgentes. Regardez les dunes. C'est la ville à bout de monde. Phyto Sanitario. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Bien. Qu'est-ce? C'est 60 pesos? Et qu'est-ce, c'est le phytosanitaire? Qu'est-ce? Non, fou! À la personne blanca? Ah, interne? On a des fruits? On a tout mangé. Non, pas ça. Ah, il va dans le camion, les fruits, tout, putain. On a des légumes. Ah, mais... Pourquoi? C'est pour combattre la mosca des fruits. Ah bon? Les fruits, c'est un contrôle sanitaire pour combattre la mouche des fruits. Regarde. Et Saint-Juan se combat contre la mosca de los frutos. Donc là, faut ouvrir le camion, ils vont asperger tout. Voilà! Un motorhome. Non? C'est là? Ah. Ciao! Attention, fumigène, je sais pas si ça marche.
C'est bon, par quoi? Ferme les fenêtres, au cas où. Alex, sur ta fenêtre. Ferme la fenêtre, Alex. Mais il demande. Non, mais ça marche pas, je pense. Ça passe pas, là, si. Ah non, regarde, ça passe. Ah, c'est un fumigène, arrête ou pas Alex, ferme. Alex, ferme, ferme. Peut-être que Alex, il va s'en prendre tout le temps. Mais regarde, Manon, regarde si ça passe. Oui. Mais j'en sais rien, si on l'arrache. C'est quoi comme produit? Je suis désinfectant. Allez, ouais. Vas-y, ça passe. Ça va? Ouais, ça passe. Qu'est-ce qui est caissé? Ça pue leur produit, là. Alors le mec il nous dit il va contrôler les fruits et les légumes. Il demande qu'est-ce que c'est, je lui dis un motorhome. Il a dit allez va. C'est là. C'est là. Comme fruit banane. Ciao. Allez, on se casse. Il manquerait plus qu'ils nous piquent nos fruits et légumes qu'on vient d'acheter hier à Walmart. Non, pas à Walmart. Ah ouais, à l'autre. Désinfection, il y a ou il n'y a pas? On a l'impression qu'il y a un peu de désinfection. Ah, c'est par le sol. Non, il n'y a rien qui marche. Si, on se fait désinfecter les roues là. Bon allez, go. Retourne à ta page là, on était sur les problèmes. Allez hop, c'est reparti. T'as pas besoin de tout écrire, juste les chiffres. Qu'est-ce qu'il vend lui? Je sais pas. Non. Ramon. Des sandwichs. C'est l'heure du midi, c'est pour les routiers. C'est pas mal, hein? T'as ton sandwich, je suis prêt, tu t'arrêtes, tu achètes. C'est tranquille. On vient de se faire chasser une boulangerie, mais il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Voilà! Bien? Non, mais ok. Bien? Non, mais ok. Et donc, les vins? Hein? Eh, c'est Juan? Francia? Et vacation? Ok, el país mejor que Francia. Sí. Sí, mamal. Chao. Hola. Alors, ça passe l'espagnol ou quoi? Alors, un problème. Les bodegas. Tiens, on aurait pu aller voir la marine. Bon, bah, du coup, on s'est arrêté à la bodega. Bon, ouais, c'est juste une boutique. Donc, on va aller voir un peu ce qu'ils vendent. Vinos, les produits régionaux. Comment on dit? Quoi? Produits? Produits régionaux. Bon, il y a vraiment de tout du coup. Hein. Et là, on est à la cave. Je sais pas si vous voyez. C'est la cave en dessous. Ah, je vois des...
des trappes là qui descendent à la cave. La peau. Allez, on descend à la cave. En dessous les hublots, en fait. Ah, ça sent bon là. Non, c'est pas vieux, 2018. 2011. Regarde, Alice. Toi, tu descends tout seul à la cave comme ça. Tu oublies ça en France. Ouais, là, t'en mets une dans ton manteau, terminé, quoi, je veux dire. Ici, c'est pas comme ça, ouais. 2011. Et en fait, là, ils viennent. Je sais pas si c'est comme le champagne. Non, mais c'est le Covid, là, non? Non, c'est pas. Et de temps en temps, ils viennent. Et tous les jours, je sais plus où ils viennent faire ça. Pour le faire. Quand on avait visité, tu te rappelles, Marie? Pour les dépôts, et après ils ouvraient le bouchon pour enlever le dépôt. Tu te rappelles? Ça, je m'en rappelle plus. Hein. ils ouvraient le bouchon, ils enlevaient le dépôt, et ils remettaient un bouchon et c'était fini. Descendez là, vous avez dit. Et où l'autre truc alors? Ah, il y a les fûts. Ah, les fûts? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Là. Les cartons. C'est quoi ça? Il n'y a pas l'étiquette. Pas étiqueté encore. Eh, regarde, ils se font pas chier ici quand ils tout volent pas. Regarde, laisse la ferraille. Voilà, c'est aussi le stock. Vous voyez pas grand chose. Ah oui, ça a été ouvert là. Ah, c'est sympa. Marie, t'as goûté le vin? Ouais. Il est bon? Bah c'est du vin doux, parce que comme on boit pas de vin, ouais, on se fait un apéro au vin. On a pris une bouteille de blanc et une bouteille de rosé. Les deux sont doux. Ouais, grave, super. Et l'huile d'olive après. Alors, on a pris quoi, Marie? Hein? On a pris quoi? C'est Julien qui est gourmand. Pomme cannelle, la confiture et comme du... Comment ça s'appelle pour les olives? Je sais plus comment on appelle ça. Mais, de la pâte d'olive au piment. Comment ça s'appelle? Vous nous direz en commentaire. Eh ben, c'était pas cher, on a payé 9 euros. Une bouteille de vin blanc, une bouteille de rosé, de la confiture, de l'huile, 1 litre d'huile d'olive. Et quoi d'autre, Marie? Ah ouais, des trucs d'olive. La pâte d'olive. Ah, comment ça s'appelle? Ça fait trop longtemps qu'on est parti de France. Grave! N'arrêtez pas d'en acheter. C'est quoi de la pâte d'olive? Comment ça s'appelle? La pâte à fruits? Non, la pâte de... Allez, mettez-nous en commentaire comment ça s'appelle, là. La pâte d'olive. C'est grave, moi aussi. Allez, on repart, direction le canyon. Regardez. Une fontaine de pinards. C'est joli, hein. Ouais, la bodega de Saint-Raphaël. Les vignes. Là, on est Mendoza, dans le coin du vin. Province de Mendoza. C'est le pinard. Bon, on a passé Mendoza. On est à Saint-Raphaël. Des vignes. On voit pas de vin. Et là, on va direction du canyon de la Tuelle. Et vous avez vu, on est en pull. Hein. Allez, fait 3 jours qu'il fait gris, qu'il pleut. Et la température est passée en dessous de 20. Hier, il faisait 10 degrés hier. Allez, on vous emmène au canyon. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez.
pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.